Ok, fraternité. Bon, ça va mieux. Après, on apprend, tu vois. Une leçon que j'ai apprise, mais que j'applique pas trop. Apprendre à prendre du temps pour moi. Pour pas vriller. En ce moment, je suis à la limite et. Je suis pas capable forcément d'encaisser beaucoup de chocs. Mais si j'arrive à prendre un peu de temps pour moi, un peu de recul, j'arrive à avancer. D'avoir un espace où je puisse m'exprimer, dans ces vidéos en l'occurrence, ça m'aide. Tout ça m'aide à faire ce que je veux. Voilà. Partager ma douleur avec les copains, écouter la leur, ça m'aide aussi. Grave. Sentir que je suis aimé aussi, ça m'aide. J'étais pas en état hier et ce matin. Et faire une sieste, enfin réfléchir à pourquoi, du comment, et tout ça, ouais. Faire une sieste, ça m'a vachement aidé. Du coup, j'ai pu être utile à d'autres gens ensuite. Faut pas que j'oublie cette leçon. C'est une leçon importante. Savoir me retirer, prendre du temps pour moi. Sinon, je suis mort à Je me suis rendu compte d'un truc aussi. Tu peux pas demander à des gens. Tu peux pas imposer tes attentes sur les gens. Pas honnête. Et tu vois, je viens de me rendre compte aussi d'une phrase que Feta m'a répétée pendant longtemps. Feta arrêtait pas de me répéter. D'ailleurs, je m'inquiète pour lui. J'ai pas trop de nouvelles ces derniers temps. J'espère qu'il va bien. Feta arrête pas de me répéter que Poupée t'étais pas amoureuse de moi, mais. Était amoureuse de mon image. Et je viens de le comprendre en le reformulant autrement. J'ai joué le soleil pendant longtemps. Mon masque, c'était de jouer le soleil. Et comme tout soleil, j'avais besoin d'une groupie. Et elle d'un soleil. J'étais son soleil temporairement, elle était ma groupie. J'en avais besoin, elle en avait besoin. Mais c'est pas une relation saine. Je joue plus au soleil maintenant. J'ai plus besoin d'une groupie. Elle a toujours besoin d'un soleil. Elle a trouvé un soleil noir, mais. J'espère qu'un jour elle s'affirmera, elle non plus aura plus besoin de soleil. Qu'elle arrêtera d'être une groupie. Mais je pourrais pas lui demander autre chose puisque c'est. Vu que c'est la fonction que j'occupais pour elle. Et je veux plus l'assumer cette fonction. Être le soleil de certaines personnes, je peux plus jouer au soleil. Je serai comme je suis avec mes imperfections aussi. Enfin, je sais pas.
Je vais continuer mon travail sur moi-même. Mais ça me fait du bien de parler un peu tous les soirs devant cette caméra. Et de faire face à... De faire face à mes dires. De pouvoir me regarder. Et de faire face à moi-même. Et de le mettre en place publique. Ça m'évite de jouer un rôle. Les retours positifs ou négatifs que j'en ai m'aident aussi. Ouais. Bon. Ce sera la petite vidéo du soir. Et j'aurai des rechutes. J'aurai des moments où j'irai pas bien, où j'aurai besoin de parler. J'essaierai de vous partager aussi des moments bien, ce que j'essaie de faire avec mes vidéos de répète et les autres vidéos que je fais. C'est pas juste de partager que mes moments dark. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi je fais la vidéo ce soir. Pas que, parce que je me suis dit j'en ai besoin, personnellement. Et c'est cool de partager aussi les moments où je vais mieux. Je me sens un peu apaisé. Voilà. Un petit coucou du noir dépressif. Un peu moins dépressif. Du noir à problème mental, je dirais. Mais on y travaille, on y travaille. Comme diraient les autres, teubés des chevaliers du fiel. Je vais le golfer, mais j'ai pas de séquelles. J'ai pas de séquelles. Si, un peu quand même. Mais bon, on travaille sur ces séquelles. Ça sera pas en un jour. On y travaille. Merci à tous les copains qui regardent mes vidéos. À tous les copains qui m'aident, ne serait-ce que par leur présence ou par leur affection. Et j'essaie de leur en donner en retour, même si des fois je suis une tête de con. Bon allez, Ligue Fraternité à tous.